Culture. Ça va bien, la culture c'est votre affaire. Oui, la culture c'est mon affaire. Et puis aussi beaucoup de rendez-vous qui s'installent. Ce week-end, on ne saura pas où donner de la tête parce qu'il va y avoir beaucoup de rendez-vous. Déjà à Neba, avec le festival du film méditerranéen. C'est un super beau moment, il faut y aller. Il faut profiter du week-end pour y aller, pourquoi pas. C'est pas très loin. L'Italie, c'est aussi l'invité d'honneur de ce festival. Et puis vous avez aussi la grande sortie... Le Behajet du Maouna, au niveau de la capitale, 5 espaces, 5 lieux et différentes sortes d'activités sportives, culturelles aussi, hein, où on revient un peu sur le patrimoine, les jeux d'antan, de la détente également. Et puis vous avez aussi cette très belle exposition qui va se dérouler au niveau de l'École supérieure des beaux-arts d'Alger à partir de ce jeudi, où on va découvrir également des photos qui nous mettent aussi dans le bain de la wilaya d'Alger, les voûtes d'Alger par exemple. 15 photographies de Riyad Dahmani qui seront au niveau de l'École supérieure des beaux-arts d'Alger. Vous avez également Dar Selem qui se trouve en bas de la Casbah, tout près de Jemaa Kechawa, qui aussi abrite de très très belles expositions à l'occasion du mois du patrimoine. Profitez, les musées sont ouverts, c'est gratuit et il y a de très très belles expositions qui se font au sein de ces beaux espaces déjà architecturaux qui ont toute une histoire. Donc je compte sur eux. Ça sur s'annonce toi, très intéressant, Soraya, Linda. Pour sortir mais ce oui, week-end. Bien sûr. Hakim Bey, c'est certain. Ah ben. Ah oui. Lui, on va pas louper ça. On va pas passer à côté. Donc, ne profitez, vraiment profitez de ce mois du patrimoine pour aller à la rencontre de tout ce qui est en train de se faire. Il y a des colloques également. Par exemple, vous avez la fondation Abdelkrim Dali qui, ce week-end, aussi abritera 3 jours au niveau du théâtre Nassim Mahdi Bachtarzi, où il va y avoir des colloques liés à la musique andalouse, à l'histoire de la musique andalouse en Algérie. Et la clôture se fera avec Lila Borsali le samedi soir. En beauté, merci. À tout à l'heure.